Alors moi je suis responsable manager de la web création de la RTBF. Alors ça implique de développer tous les contenus qui sont pensés nativement pour le web et les réseaux sociaux, donc la fiction avec la web série, mais aussi les web documentaires, des expériences interactives transmédia qu'on peut retrouver à la fois sur le web mais aussi en radio et en télévision. Et depuis 2014, bah voilà, j'ai pu créer une équipe, engager des gens et vraiment stratégiquement développer cette nouvelle activité. En soi, l'équipe de base, c'est 3 personnes, mais c'est clair qu'on travaille avec tous des talents extérieurs à la RTBF, des boîtes de production externes, et qu'on fait vivre ce nouveau vivier de talents belges francophones, que ce soit des auteurs, des scénaristes, des créateurs, des réalisateurs. Donc on produit les 5 pilotes, et chaque pilote a une enveloppe de 10 000 euros pour produire 7 minutes de fiction. Et ensuite, la web-série gagnante a une enveloppe de 100 000 euros pour produire une saison complète de 10 épisodes. 10 épisodes plus le pilote, donc 11 épisodes, parce que souvent le pilote fait partie de l'histoire aussi. Et en bout de course, pour nous, bah, c'est plus ou moins une heure de contenu à diffuser auprès de notre public. Showtime. On a marre de la routine, alors on va voir les filles? Non. Si. Non. Ouais. Et si je te dis je t'aime? Tu me trouves sexy? Ça intéresse aussi des comédiens expérimentés de participer à ce genre de production, qu'il y a aussi des boîtes de production plus expérimentées qui s'intéressent à la web-série ou à la fiction digitale, hein, pour utiliser un autre terme. Après, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a toujours aussi des jeunes boîtes de production chaque année qui ont envie de se lancer, qui ont cette motivation, qui voient le travail que toutes les équipes ont fait depuis toutes ces années, qui se disent bah, « tiens, là, il y a un coup à jouer aussi, il y a un créneau, il y a une opportunité ». Donc c'est chaque fois un mélange à la fois de boîtes de production toutes jeunes qui se lancent et de boîtes de production qui sont plus expérimentées, qui ne font pas que de la web-série bien sûr, mais qui y viennent aussi avec le temps. Ouais. Donc il y a Mauvaise Langue, qui est un projet de web-série d'horreur. Alors là, c'est la première année qu'on nous propose ce genre de projet, donc on va voir si ça peut rencontrer son public. C'est la première fois qu'on le fait. Et on essaye d'ailleurs chaque fois dans les pilotes de proposer des genres différents. On va pas proposer 4 web-séries d'humour par exemple, on va essayer de brosser tous les genres. Alors, deuxième projet, c'est Plateau. C'est sur l'histoire d'une jeune femme qui a poussé son petit ami au suicide. Et donc c'est une boîte de production qui s'appelle Studio 3 qui reprend cette histoire pour en faire une sorte d'émission télé-réalité où c'est le public qui va décider de ce qu'il faut faire de cette jeune fille ou non. Donc là de nouveau c'est une histoire je pense sur toute l'évolution potentielle d'ici quelques années que les médias pourraient subir ou ne pas subir. Donc c'est un projet aussi qui me paraît très intéressant. Alors troisième projet, ça s'appelle The Yellow Guys. Donc là c'est un projet de comédie sur l'univers de la régie dans le cinéma. Donc on est sur un tournage, il y a une sorte de double réalité puisque dans le pilote on sera à la fois sur le tournage de la fausse fiction et à la fois sur le pilote en lui-même. Donc voilà, il y a une double dimension. Je crois que c'est des gens qui ont beaucoup à faire et qui sont parfois un petit peu les oubliés du monde du cinéma. Et donc je crois qu'ils avaient simplement envie de mettre ce monde-là en avant dans ce projet. Et alors quatrième projet, ça s'appelle, alors je vais essayer de le dire correctement, Bolduc et Braddock. Et donc là, ça raconte l'histoire d'un écrivain de série qui se retrouve en fait plongé dans l'univers qu'il crée lui-même. Donc de nouveau, on va suivre ses aventures. En fonction de la sélection de départ, cette année, il y a 4 pilotes, donc il y en aura 3 qui seront recalés. Alors ce qu'on fait, c'est que nous, on reste très attentifs à l'évolution de chaque équipe. Il y a des équipes qui choisissent de ne pas aller plus loin et qui passent à autre chose directement. Il y a des équipes qui sont très attachées à leur projet et qui continuent à le développer. Et donc là, on est là pour les aider et nous les accompagner aussi, même si c'est pas une priorité, puisqu'on doit donner priorité aux gagnants évidemment, mais on les accompagne pour qu'ils puissent continuer à rencontrer des partenaires potentiels autres que la RTBF, parce que auprès de nos collègues, soit France Télévisions, Arte, maintenant les nouveaux fonds qui existent aussi en Belgique francophone avec Screen Brussels par exemple sur les dépenses en région bruxelloise, des gens comme Wallimage aussi, enfin voilà, il y a toute une série de guichets quand même, il n'y en a pas beaucoup en France, en Belgique pardon, il n'y en a pas beaucoup, je pense à la France parce qu'en France justement il y a le CNC pour aider aussi. Mais du coup, voilà, il y a des opportunités pour eux aussi. Donc on reste attentif, on les accompagne, on peut participer à des projets si des projets se font aussi plus tard.
Mais on, voilà, on garde quand même un œil sur eux, ça c'est sûr. Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.